tous, assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je préfère vous faire cette vidéo avec sourire, avec gros sourire, parce que même si je sais qu'au plus profond de moi, je vous cache pas, j'ai le seum, je sais que beaucoup d'entre vous vont être contents, vont se réjouir, bien fait pour ta gueule, cher, enfin tu l'as rendu, etc. etc. C'est à propos de la PlayStation 4 qu'on m'a offert hier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que hier, pour les gens qui n'auraient pas regardé la vidéo, hier il y a un abonné qui s'appelle Raphaël avec sa petite sœur, sa grande sœur, Anaïs, qui m'a offert, enfin qui sont venus chez Abdel. Et toqué chez Abdel et m'ont offert une PS4. J'ai trouvé ça super bizarre qu'ils toquent chez Abdel et qu'ils me disent tiens une PlayStation 4 pour toi. Ok, c'est gentil. J'étais gêné, j'avais pas quoi dire, j'avais pas quoi lui offrir. Je pouvais pas le laisser repartir en lui disant non, j'en veux pas ton cadeau, repars avec ton cadeau. Tu vois, je le voyais pas repartir avec son cadeau, ça m'aurait fait mal. Je lui dis, écoute, c'est gentil, mais j'ai pas quoi t'offrir. Il m'a dit, non, mais c'est pas grave, tu fais un déballage sur ta chaîne et tu passes une dédicace. Je lui dis, t'es youtubeur? Non, je suis rien du tout. Ok, d'accord. Je réveille Abdel, il me croit pas, il me dit, non, mais c'est un prank, arrête, y a rien dedans. Je lui dis, d'accord, tu sais quoi, on va attendre la vidéo et on verra. D'accord, on a eu des doutes au début parce que la console était un peu lourde. Bref, il y avait vraiment une PS4. Le même jour, Abdel, il me fait un prank. Il était avec des abonnés, etc. etc. et il me dit ouais, enfin les abonnés arrivent, il me dit ouais, le papa de Raphaël, il est pas content, il vient récupérer la PlayStation 4. J'ai flippé, j'ai dit c'est quoi ce bordel? Moi je dis pas de soucis, vas-y, tiens, c'est quoi, elle est là la console, tiens, prends-la, y a pas de problème, prends-la, elle est là. Et en fait, au final, ils annoncent que c'est un prank. Tranquille. Et aujourd'hui, le lendemain, j'ai le petit. Avec sa grande sœur et une autre personne que je connais pas. La première fois qu'elle est venue, Raphaël, cette personne n'était pas là. Il est revenu et il m'a dit écoute, Jawed, c'était un prank. La PlayStation 4 à la base c'était pour moi. Comme je sais que tu restes jusqu'à vendredi, je voulais te faire un prank, etc. etc. Je voulais voir déballer la console en vidéo. Et puis voilà, chose que tu as faite, et aujourd'hui je tiens à la récupérer parce que je voulais tout simplement te faire un prank. T'inquiète pas, la vidéo sera pas diffusée parce que j'ai pas de chaîne YouTube, mais voilà, je voulais te faire un prank. Alors j'avais l'embarras du choix, bien sûr. J'avais l'embarras du choix, je lui dis écoute, non, soit je l'ai revendu, je pouvais lui dire ça, ou soit lui dire écoute, vas-y, non, trois choix, soit je l'ai revendu, soit donner ses données, reprendre ses volets, ou soit lui dire, vas-y, tu sais quoi, tiens, reprends-la. Et chose que j'ai faite, c'est que je l'ai rendu, mais je l'ai rendu sans ce carton-là, bien sûr. Le carton était un peu tout déglingué, enfin, j'ai quand même gardé ça en guise de souvenir. Et j'ai gardé juste ça, et lui, il a repris la console. Ça m'a fait un peu mal, parce que moi, j'ai cru que c'était ça, j'étais trop content. Et ça me paraissait trop beau, tu vois. Déjà, rien que le début, comme j'ai pu vous le dire, ça m'a paru suspect. Ça m'a paru suspect du sens où il toque chez Abdel, mais il demande qu'auprès de moi, tu sais. C'est pas bien, tu sais, je sais pas. Moi, je sais pas, quand je vais chez quelqu'un, chez une personne, je demande d'abord chez la personne, comment il va, est-ce que tu peux l'appeler, j'aimerais lui dire bonjour. Tu vois, à ce moment-là, tu donnes le cadeau, le mec, il a rien voulu savoir, le mec, il a cru que c'était mon appartement, moi, limite, tu vois. Et au final, j'ai plus de PlayStation 4. C'est pas grave, j'ai toujours la mienne à Paris, hein. C'est pas grave ça. Mais, voilà quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je l'ai déballé, etc., la console, elle est plus considérée comme neuve, mais comme occasion. Mais apparemment, la console était pour lui, etc. Et puis voilà quoi. Et franchement, quand j'ai testé moi personnellement la Pro, la PlayStation 4 Pro, m'a beaucoup plu, très silencieuse. Parce que moi j'ai une PS4, mon gars, c'est un avion de chasse. Hein. J'ai l'impression que sur une autoroute là. Tu sais, les Formule 1 quand ils passent. Ça passe, les deuxième position. Et le mec il est en troisième position. J'ai l'impression que c'est ça, bordel de merde. Putain, merde, ouais. Non, ça, et puis voilà, quoi. J'en ai pas, je l'ai parlé à Abdel. Abdel, il a rigolé. Je lui ai demandé de pas m'accompagner dans cette vidéo-là. Abdel. Ouais. Tu peux l'appeler? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe là un petit coucou quand même. Par rapport à la PS4 que l'abonné est venu récupérer tout à l'heure. Ouais. Abdel, il était mort de rire, il n'en revenait pas. Le seul cadeau qu'il nous a laissé, voilà, il est là. Un carton vide. Abdel, toi, tu savais, franchement, enfin, tu t'y attendais franchement qu'il me fasse ce putain de prank? Non, surtout que moi, j'ai fait un prank sur ma chaîne justement. C'est ce que je lui ai dit. Ouais, et quand lui, il a. C'est ce que je veux dire, il m'a fait un prank. Bon, j'ai rigolé, j'ai fait putain ouf.
Là, le lendemain, il revient. J'ai dit non, c'est un prank, c'est pas possible. J'ai appelé Abdel. Abdel, il était à côté de moi. Et t'as l'abonné qui lui dit, bon, pour moi, j'aimerais récupérer ma PlayStation 4. On avait le droit de l'envoyer bouler. Bah ouais. Mais bah, encore, heureusement qu'il a pas fait quand même. Heureusement qu'il a pas fait ce cadeau pour faire justement une pub pour sa chaîne, parce qu'il y en a beaucoup qui font des cadeaux juste pour faire une pub. Ouais. C'est pas forcément pour faire plaisir en fait, c'est juste vraiment pour faire une pub. Et heureusement qu'il a pas fait ça, parce que sa chaîne, bah, elle aurait été aussi rouge que le joueur de Tekken, quoi. Ouais, bah, mais je pense aussi que les gens, ils auraient rigolé, putain. Ouais, mais je pense que ta communauté, ils auraient pas forcément aimé, tu vois aussi. Ouais. Heureusement qu'il a pas fait de pub pour sa chaîne. Ouais. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, en tout cas, on tenait à vous en parler. S'il n'y a pas le PlayStation 4 Pro à l'avenir, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Et puis, n'empêche, c'était bien mort de rire, toi, sale bâtard. Il était plié en quatre. Dès qu'on a fermé la porte, il m'a regardé, il m'a tendu le doigt, il m'a fait comme ça, il m'a fait. Il était mort, il était vraiment mort de rire. Et puis voilà. Bref, les raids, quoi qu'il en soit, bah, je sais qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup de gens qui vont se réjouir. Il y a beaucoup de gens que. Ouais. Il m'a dit après. Sur son Instagram, je l'avais dit, il avait 2-3. Ouais, putain, tu gagnes déjà beaucoup d'argent, et en plus, on t'offre des cadeaux de grande valeur comme ça et tout. Ça, ils vont être contents. Hein. Ceux-là, je pense qu'ils vont être très très contents. Et le truc qui fait mal, c'est que c'est souvent normalement des frères muses. Ramdan Ramdan, Ryan, Ilyes. Normalement, c'est des frères muses, tu vois. J'en ai marre. Il a eu le culot de venir la récupérer, quoi. Nous, on était tout contents hier. On dit, ouais, putain, là, les commandes sont silencieuses. Écoute le bruit. Elle a fait pas de bruit, la PlayStation 4 Pro. Putain, le bordel de merde. Moi, je l'ai, elle fait pas de bruit. Moi, je l'avais aussi, elle faisait pas de bruit. Maintenant, je l'ai plus. Je crois que je vais me la prendre, dans ce cas-là. Bah, va te l'acheter, franchement. Non, mais pas maintenant. Depuis quand, frère? T'as pas pour une PlayStation. J'ai pas assez d'argent en ce moment. Tu rigoles ou quoi? Je suis tout. Bref, les rêves, voilà, c'était une petite vidéo. Bah, voilà, pour PlayStation 4 Pro. Et puis, putain, quand même, t'es le bâtard quand même. On a été gentils quand même, hein. Faut le préciser. Hein. Parce que je pense que beaucoup de gens, Abdel, l'auraient pas redonné. Hein. Ouais, non. Ils auraient dit, ouais, on a revendu, désolé. Il y a beaucoup de gens qui auraient fait ça. Nous, on a joué la carte de la sécurité, on a dit, tiens, on sait jamais, tiens. Ouais. Mec, il est c'est petit. C'est bon, c'est une PlayStation. Donc voilà. C'est bon, quoi. Tu sais, on gagne bien notre vie, on va pas faire non plus les victimes à s'énerver pour ça, quoi. Exactement. C'est un môme, c'est un merdeux. Ouais, c'est un. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, bah, quand même, merci pour ton geste, Raphaël. Si je te crois, je te botte tes fesses. Je crois, moi. Merci d'avoir laissé la boîte. Merci au moins pour ça, moi, voilà. Au moins pour la boîte. Ça fait plaisir. Et puis voilà, sur ce, on pourra la mettre devant la porte de chez moi pour faire croire à mon voisin que j'ai acheté une autre PlayStation 4 Pro. Avec ouais. Le pack de luxe. Ouais, pas bête. Ah, c'est pas bête, ça. Ouais, sur ce, les frères, on vous laisse sur cette fin. Y'a le baron comme ça, Falloscom. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, histoire de réconforter votre petit écart. Ouais, surtout pouce bleu comme la boîte de la PlayStation 4 qu'il a pas pu obtenir. Je veux dire, pouce bleu. Ouais, non, je couperai ça en montage au pire. C'est pas marrant. Non, c'était gênant, mec. C'est gênant, c'est normal, c'est gênant, mec, ce qui est arrivé. Faut que je fasse des blagues au même niveau. Non. Ça. Toute la journée j'ai crié, demandez à Belle, toute la journée j'ai crié, j'ai pas arrêté de tourner en rond, j'ai dit putain comment elle a osé me faire ça, comment elle a osé me faire ça à moi à ZK78. Enfin bref, c'est pas grave, y'a pas de soucis. Comment elle a osé faire ça à ZK78 quand même. Comment t'as osé, frère? Ouais, donc voilà. Bref, bah écoutez, moi c'est mon dernier c'est mon dernier jour à Grenoble. Demain dire. C'est mercredi. On est jeudi. Bah oui Abdel. Ça sonne pas là. Mais on est jeudi Abdel. Non, attends, je crois que ça a sonné. Ah, mais je sais qu'on est jeudi, c'est bon. Vous savez qu'il y a rendez-vous mercredi, je suis con. Ouais, on est jeudi. On est jeudi, donc moi demain, retour à Paris. Mmh. Et puis voilà, ça va être la reprise des lives, reprise de plein de jeux. Et Kenny qui va faire le ramadan aussi. Aussi, ouais. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de colis à partir chez Kenny. Fais-le, Kenny, ramadan, fais-le. Au moins 20. Non, tu sais qu'au moins 7 heures. Non, 24 heures, Kenny. Tu peux non, au moins 7 heures. Il peut le faire, Kenny, j'ai confiance en lui. Tu vois, par exemple, de 13h à 21h. Je suis sûr qu'il pourrait le faire. Bref, voilà sur cette fin. Demain à Paris, demain j'ai des colis aussi à chercher. J'ai deux DX Racer à venir à partir chercher. J'ai un lit. J'ai quoi d'autre? Je te montrerai les boissons énergisantes comment envoyer. Bref, je t'en dis pas plus. Enfin, je vous en dis pas plus. Et puis voilà. Pour ça, les règles, je vais sur cette fin. Il y a bien comme ça, Falloscom. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit bouton abonnement. Ça nous ferait énormément de plaisir. Abdel, top là. Merci de t'avoir foutu de ma gueule, surtout merci pour l'accueil. Et puis voilà, sur ce les règles, je vais sur cette fin. Yabern comme ça, la face comme tu vois, bye, c'est merde. Non, comme ça. Allez, je vais bye.